autre élément qui apparaît aujourd'hui dans cette Coupe nationale, Sébastien Goldschmidt de Franconville. Certaines alignes 7, vous voyez, combinaison sur un arçon assez compliqué et assez longue. Il insiste peut-être un peu de trop et c'est la chute. Décidément, ce cheval d'arçon est le juge de paix. Et oui, c'est le juge de paix. Il l'a été aussi hier au concours général puisqu'il a éliminé certains de nos meilleurs gymnastes comme Carbanenko. Carbanenko, c'est vrai. Qui ne seront pas présents dans cette finale. Ça a laissé le champ libre pour tous ces jeunes. Comme quoi, il est difficile de présenter deux fois le même exercice sans manquer. N'est pas idéal là par contre pour cet engin et il y a quelques fautes d'exécution importantes sur les ciseaux. Ouais. Dommage, mais c'est déjà bien d'être arrivé jusqu'en finale nationale pour Sébastien Goldschmidt. Voilà donc au ralenti avec cette loupe le déplacement des mains et vous apercevrez que dès qu'une jambe accroche un petit peu le cheval d'arçon, il y a un petit déséquilibre qui s'opère et il y a un manque de coordination qui s'ensuit. C'est quand même, ça paraît pas évident comme ça en regardant, mais la saisie des poignets du cheval doit être d'une précision